بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فلا زال الحديث مع الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وها نحن وصلنا إلى الحديث التاسع. Donc nous continuons toujours les cours autour des 40 hadiths de l'imam النووي et nous sommes arrivés au 9e hadith. فلنبدأ بقراءة الحديث. عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. Donc commençons d'abord par la lecture du hadith d'aujourd'hui. Abu Huraira رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه a dit: J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Ce que je vous ai interdit, évitez-le, et ce que je vous ai ordonné de faire, accomplissez-le selon votre capacité. Car ce qui entraîna la perte de ceux qui vous ont précédé, ce fut bien leur question excessive et leur divergence, leur opposition envers leur prophète. Hadith rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. Fa'awalan nara tujumata rawi al-hadith. Donc nous allons d'abord commencer par une brève biographie du rapporteur du hadith. Wa rawi al-hadith huwa Abu Hurayrata عبد الرحمن بن صخر الدوسي من قبيلة الدوس إحدى قبائل اليمن. Donc le rapporteur du hadith, c'est le célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, qui s'appelle عبد الرحمن ibn صخر رضي الله عنه. Et il fait partie de la tribu de Daous, qui est une des tribus du Yémen. وكان أبو هريرة رضي الله عنه في الجاهلية يسمى عبد شمس فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن وكنيته أبو هريرة وكان قومه يلقبه بها بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يلقبه بأبي هر. أبو هريرة رضي الله عنه avant d'embrasser l'islam était appelé Abd al-Shams. Et lorsqu'il a embrassé l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Abd al-Rahman. Et sa kunya est Abu Huraira. Ainsi son peuple le surnommait. Et dans beaucoup de hadiths et dans beaucoup de circonstances, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le surnommait Aba Hir. ودخل أبو هريرة رضي الله عنه الإسلام سنة سبع من الهجرة بين الحديبية وخيبر. وكان عمره حين ذاك نحو من 30 سنة فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلازمه ملازمة تامة رغبة في العلم. أبو هريرة رضي الله عنه a embrassé l'islam la 7e année après l'égir du prophète صلى الله عليه وسلم entre l'événement de l'Hudaybiyya et la bataille de Khaybar. Et à ce moment-là, Abu Hurayra رضي الله عنه était âgé d'une 30aine d'années. Et il a émigré vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il a gardé la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière assidue et en recherchant la science auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
وكان أبو هريرة رضي الله عنه من أصحاب الصفة. Et Abu Huraira radiallahu anhu faisait partie des gens de Suffa. C'était des gens qui, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avaient ni logement, ni bien. Et donc ils vivaient dans la mosquée et les gens les aidaient à subvenir à leurs besoins. Yaqulu Abu Huraira radiallahu anhu, Wallahi alladhi la ilaha illahu, in kuntu la a'tamidu bi kabidi ala al-ardi min al-ju' wa in kuntu la ashuddu al-hajara ala batni min al-ju'. والحديث رواه البخاري. أبو هريرة رضي الله عنه ندي et ceci est rapporté dans l'authentique de l'imam Bukhari. Il dit par Allah, je m'appuyais face à terre contre mon ventre du fait de la faim. Et il dit, je m'attachais une pierre contre mon ventre à cause de la faim. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. وأبو هريرة رضي الله عنه له مناقب كثيرة. Et Abu Huraira, comme nous allons le voir, a beaucoup de mérite. فمن مناقبه ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Parmi les mérites d'Abu Huraira رضي الله عنه, c'est qu'il était assidu à la compagnie du prophète صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله والله الموعد ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه وإن إخواني من المهاجرين كانوا يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرئ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه فأحضروا إذا غابوا وأحفظوا إذا نسوا والحديث رواه البخاري. أبو هريرة رضي الله عنه ندي et ceci est rapporté par l'imam Bukhari. Ce hadith montre l'assiduité de Abu Huraira رضي الله عنه avec la compagnie du prophète صلى الله عليه وسلم. Abu Huraira dit, les gens disent que Abu Huraira rapporte beaucoup de hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم. Il dit, par Allah nous jugera pour ses paroles. Et il continue, il dit, ils disent, pourquoi les muhajirs et pourquoi les ansars ne rapportent pas autant de hadiths que Abu Huraira? Parce qu'Abu Huraira était connu pour connaître et retenir beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit à Abu Huraira, mes frères les muhajirines étaient occupés par le commerce dans les marchés. Et mes frères les ansars étaient occupés par leurs richesses et à cultiver leurs terres. Quant à moi, j'étais une personne très pauvre. Et je restais constamment avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en subissant la faim. Il dit, j'étais présent quand ils étaient absents et je retenais alors qu'ils oubliaient les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمِنْ مَنَاقِبِهِ حِرْصُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ وَفِعْلِهِ. Parmi les mérites de Abu Huraira radiallahu anhu, c'est son souci à connaître le bien et à le mettre en pratique. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن أمر إذا أخذت به دخلت الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم الليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام والحديث أخرجه ابن حبان. أبو هريرة رضي الله عنه dit, j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète d'Allah, lorsque je te vois, mon âme est apaisée et mes yeux se remplissent de joie. Informe-moi, ô prophète d'Allah, d'un acte. Si je le fais et si je le pratique, je rentrerai au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, répands le salut, nourris les gens, maintiens le lien de parenté, veille la nuit en prière alors que les gens dorment, tu rentreras au paradis en paix. Et le hadith est rapporté par Ibn Hibban. وَمِنْ مَنَاقِبِهِ حِرْصُهُ عَلَى الْحَدِيثِ وَطَلَبِ الْعِلْمِ. Parmi les mérites de Abu Huraira radiallahu anhu, c'est qu'il était soucieux et motivé d'apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'apprendre la science et le savoir. قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله من أسعد الناس
بشفاعتك يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، والحديث رواه البخاري. Donc ce qui montre le souci et la motivation de Abu Hurayra de connaître le hadith du prophète sallam et d'apprendre la science, c'est le hadith rapporté par l'imam Bukhari, dans lequel Abu Hurayra radiallahu anhu a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant: qui sera le plus heureux de profiter de ton intercession le jour du jugement dernier? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'étais sûr que personne ne poserait cette question avant toi, vu ton désir ardent pour le hadith. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: le plus heureux ou la plus heureuse des personnes qui profitera de mon intercession le jour de la résurrection, c'est celui qui dit la ilaha illallah avec sincérité et conviction du cœur et de son âme. Wa min manaqibihi radiyallahu anhu hirsuhu ala al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar. Parmi les mérites de Abu Hurayra radiyallahu anhu, c'est qu'il était soucieux d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et ceci est la qualité du croyant, ou ceci est une qualité des croyants. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مررت بقوم يتوضؤون، فقال أبو هريرة: أسبغوا الوضوء، أي أكملوه، كأنه رأى فيهم نقصا أو تقصيرا وخشي عليهم، فقال لهم: أسبغوا الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. والحديث رواه مسلم. L'imam Muslim rahimahullah rapporte dans son authentique que Abu Hurayra radiyallahu anhu est passé devant des personnes qui étaient en train de faire l'oudou, les ablutions. Et alors Abu Hurayra radiyallahu anhu leur a dit: faites parfaitement les ablutions, car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: le feu au talon non lavé pendant l'oudou. C'est-à-dire lorsqu'on fait l'oudou, il faut veiller à se laver parfaitement les talons. واستقبل أبو هريرة رضي الله عنه امرأة متطيبة فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟ فقالت المرأة: المسجد يا أبا هريرة. فقال أبو هريرة: وله تطيبت؟ فقالت: نعم. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها متطيبة تريد المسجد لم يقبل الله لها صلاة حتى ترجع فتغتسل منه غسلها من الجنابة. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد. Et aussi parmi certaines positions qui montrent qu'Abu Hurayra رضي الله عنه était soucieux d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable, comme ceci a été rapporté par l'imam Ahmed dans son Mousned. Il dit qu'une fois Abu Hurayra radiallahu anhu a rencontré une femme parfumée. Alors Abu Hurayra radiallahu anhu a demandé à cette femme: où comptes-tu aller? La femme lui a dit: je vais à la mosquée. Et Abu Hurayra radiallahu anhu lui a dit: c'est pour cette raison que tu t'es parfumée? La femme lui a dit: oui. Alors Abu Hurayra radiallahu anhu a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: toute femme qui sort de chez elle parfumée en allant à la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas sa prière jusqu'à ce qu'elle rentre chez elle et qu'elle fasse le lavage comme on fait le lavage des grandes ablutions, le lavage de la janaba. Donc on voit bien qu'Abu Hurayra radiallahu anhu était soucieux d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. أبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله في كتب الحديث 5374 حديثا، منها 608 في الصحيحين. أبو هريرة رضي الله عنه، c'est quelque chose qu'il faut connaître,
c'est parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rapporté 5374 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont 608 se retrouvent dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim. Regardez, il s'est converti à l'islam la 7e année, il est resté 4 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. 4 ans avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est celui qui nous a ramené le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il était assidu à la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était assoiffé de science. Radiallahu anhu. Wa tuwfiya radiallahu anhu sanata 58 ou 59 fil madinati wa dufina fil baqi'a. Radiallahu ta'ala anhu. Et Abu Hurayra radiallahu anhu est mort la 58e ou la 59e année de l'Hégire. Et il a été enterré à Médine, dans le cimetière de l'Baqir. هذا فيما يتعلق بأبي هريرة رضي الله عنه. Donc ceci concerne la biographie de Abu Hurayra radiallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr. الأمر الثاني منزلة الحديث. Le deuxième point que nous allons voir aujourd'hui, c'est la place et l'importance de ce hadith. هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين. قال الإمام النووي رحمه الله هو من قواعد الدين. وهذا مذكور في شرح مسلم. Ce hadith est un fondement important de notre religion. L'imam Nawawi rahimahullah dit, dans l'explication de l'authentique de Muslim, il dit ce hadith fait partie des fondements et des bases de cette religion. فهذا الحديث فيه إشارة إلى وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وتسليم ما جاء به من الأحكام من غير معارضة ولا مبالغة ولا تنطع. Et ce hadith, dans ce hadith, il y a une indication pour le croyant de l'obligation de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de se soumettre à tout ce que nous a apporté notre prophète. Et ceci sans s'opposer à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans non plus exagérer et sans non plus abuser et être excessif. فهذا الحديث مهم حيث كثير من قواعد الفقه متعلقة به. Ce hadith est aussi important parce que beaucoup de règles de fiqh dépendent de ce hadith et gravitent autour de ce hadith. هذا فيما يتعلق بمنزلة الحديث. Voilà pour ce qui est de l'importance de ce hadith. والآن نرى ماذا نستفيد من هذا الحديث. Maintenant, nous allons voir quelles sont les leçons à retenir, les enseignements à retenir de ce hadith. Et nous allons citer 20 leçons, inshallah. الفائدة الأولى أن لهذا الحديث سببا قد جاء بيانه في صحيح مسلم في كتاب الحج. Première leçon à retenir de ce hadith, c'est que ce hadith a une histoire. La petite partie du hadith qu'on a entendu tout à l'heure vient en réalité dans un grand hadith. Et ceci est expliqué dans l'authentique de l'imam muslim dans le chapitre du pèlerinage. يقول أبو هريرة رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل وقيل هو الأقرع بن حابس فقال رجل من القوم أكل عام يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وهذا في صحيح مسلم. Donc quel est ce grand hadith qui est la cause de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Abu Hurayra radiallahu anhu nous dit, et ceci dans l'authentique de l'imam muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fit une prêche et il dit: ô vous les gens, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire pour vous le hajj, le pèlerinage, accomplissez-le. Alors un homme, et il est dit que c'est Al-Aqra ibn Habis radiallahu anhu, a dit: est-ce tous les ans que nous devons effectuer le hajj, ô prophète d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Et l'homme a répété et réitéré sa question trois fois. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si je répondais par oui, ceci deviendrait obligatoire et vous ne pourrez pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: prenez ce que je vous ai donné, car les peuples avant vous ont été anéantis, ont péri à cause de leurs questions excessives et de leur divergence et leur opposition avec leur prophète. Lorsque je vous ordonne une chose, accomplissez-la selon vos capacités. Et lorsque je vous interdis une chose, abstenez-vous-en. الفائدة الثانية: وجوب ترك واجتناب المنهي عنه، وهذا ما لم يدل دليل على أن النهي للكراهة، وما كان للكراهة يجوز فعله وتركه أولى من فعله. وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. Deuxième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est l'obligation de délaisser, de s'éloigner de ce qui est interdit. Et cela, tant qu'il n'y a pas de texte du Coran et de la Sunna authentique prouvant qu'il s'agisse d'une chose détestable ou déconseillée, ce qu'on appelle makruh. Et si cette chose est déconseillée, alors même s'il est permis de la faire, délaisser cette chose est préférable. Et ceci est contenu dans la phrase où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce que je vous ai interdit, évitez-le, abstenez-vous-en. Par exemple, il y a des choses qui sont interdites, comme par exemple le fait de faire l'adultère, le fait de désobéir aux parents. Il y a des choses qui sont interdites, mais en réalité elles sont déconseillées, comme par exemple le fait de prendre, lorsque quelqu'un te donne quelque chose, de le prendre par la main gauche. Le fait de prendre une chose ou de donner une chose par la main gauche, c'est pas interdit, mais c'est fortement déconseillé. الفائدة الثالثة: ترك المنهيات باق على عمومه ولا يستثنى منه إلا ما تدعو الضرورة إليه. Troisième leçon à retenir de ce hadith, c'est que délaisser les interdits concerne tous les interdits. Ceci est général, tant qu'il n'y a pas de nécessité, de darura, qui permet de commettre cet interdit. Par exemple, en cas de faim mortelle, la personne est autorisée à manger un animal qui est mort ou un animal qui n'est pas tué, égorgé selon le rite musulman. Ou même de manger du porc. En cas de nécessité, il est permis de faire ça. الفائدة الرابعة: وجوب فعل المأمورات به، وهذا ما لم يدل دليل على أن الأمر للاستحباب، وما كان للاستحباب يجوز تركه وفعله أولى من تركه، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Quatrième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est qu'il y a obligation d'accomplir ce que on nous a ordonné de faire. Et ceci tant qu'il n'y a pas de texte du Coran et de la Sunna authentique prouvant que cet ordre n'est pas une obligation mais que c'est une chose recommandée, ce qu'on appelle mustahab. Et tout ce qui est recommandé, même s'il est permis de le délaisser, le faire est préférable. Et ceci est contenu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: ce que je vous ai ordonné, accomplissez-le selon votre capacité. Comme par exemple le fait de faire le siwak, c'est mustahab. Comme le fait par exemple de faire ar-rawatib, les prières qui sont attachées aux prières obligatoires, c'est mustahab. C'est recommandé de le faire, mais c'est pas obligatoire. Al-fa'idatul khamisa: anna fi'la al-ma'murati muqayyadun bil-istita'ati
أي لا يجب على الإنسان أكثر مما يستطيع، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. La cinquième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que accomplir les ordres, il est conditionné et il dépend de la capacité à pouvoir le faire. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire pour l'homme de faire ce qui est au-dessus de ses capacités. Et ceci est contenu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que je vous ai ordonné de faire, accomplissez-le selon vos capacités. Par exemple, si la personne ne peut pas faire l'eau pour des raisons valables, à ce moment-là, elle peut faire tayammum. Par exemple, si la personne ne peut pas prier debout, pour des raisons valables, la personne peut faire la prière assise, et ainsi de suite. Al-fa'idatu sadisa. قوله صلى الله عليه وسلم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فيه تقييد امتثال الأمر بالاستطاعة دون النهي وذلك أن الترك أهون من الفعل فالنهي من باب التروك وهي مستطاعة فالإنسان مستطيع ألا يفعل وأما الأمر والفعل فقد قيد بالاستطاعة لأنه تكليف بفعل وقد يستطاع ذلك وقد لا يستطاع. Sixième leçon à retenir concernant ce hadith concerne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit ce que je vous ai interdit, abstenez-vous de le faire et ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le selon vos capacités. Dans cette phrase, accomplir les ordres, les obligations, les conditionner et il dépend de la capacité de la personne à pouvoir le faire, comme on a dit précédemment. Alors que délaisser les interdictions n'est conditionné par rien du tout, si ce n'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que s'abstenir de faire un interdit est plus facile que d'accomplir un ordre. Parce que s'abstenir de faire un interdit, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Ça ne demande pas une capacité. Alors que accomplir un ordre qu'Allah ou son prophète nous ont donné dépend de la capacité. Soit on est capable de le faire, soit on ne peut pas le faire. Par exemple, boire de l'alcool. Tout le monde peut s'abstenir de boire de l'alcool. L'homme, pour vivre, n'a pas besoin de boire de l'alcool. Donc devant l'abstention de boire de l'alcool, c'est facile. Ça demande seulement de s'abstenir. Alors que par exemple, faire la prière debout demande la capacité de faire la prière debout. Et si on ne peut pas le faire debout, alors on peut la faire assis, et si on ne peut pas le faire assis, on peut la faire allongée, et ainsi de suite, comme ça a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit bien la différence entre faire des obligations et s'abstenir des interdits. Al-fa'idatu sabi'a, anna man ajiza ala fi'li al-wajibi kullihi kafahu an ya'tiya bima qadira alayhi minhu. Wahada fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُ مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. La septième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que celui qui est dans la capacité d'accomplir un ordre totalement, alors il lui suffit de faire ce qu'il peut faire de cet ordre. Et ceci est contenu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le selon vos capacités. Donc toujours l'exemple de la prière, on a l'ordre de faire la prière. Donc, si on ne peut pas la faire debout, de la meilleure des façons, alors on peut la faire assis. Ou par exemple, si la personne n'a pas assez d'eau pour pouvoir faire l'eau d'eau complètement, donc il fait l'eau d'eau avec le peu d'eau qu'il a, et dès qu'il ne reste plus d'eau, alors il fait le tayammum. C'est clair ? Al-fa'idatu thamina. Annahu la yanbaghi lil-insani idha sami'a amra ar-rasul an yaqul hal huwa wajib aw mustahab. لقوله صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم فالإنسان عبد منقاد لأمر الله عز وجل ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا خالف العبد فله أن يستفصل في أمره إذا كان واجبا فإنه عليه توبة وإذا كان غير واجب فالتوبة غير واجبة هنا التفصيل مستحب. Huitième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est qu'il ne convient pas à une personne, lorsqu'il entend l'ordre du prophète, de dire « est-ce que c'est obligatoire ou est-ce que c'est seulement recommandé ?»
Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit « Ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le selon vos capacités, sans distinguer entre ce qui est obligatoire, wajib, et ce qui est recommandé, mustahab. » D'ailleurs, les compagnons, lorsqu'ils recevaient l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'accomplissaient, selon leurs capacités, sans chercher à savoir est-ce que c'était obligatoire ou est-ce que c'était mustahab, recommandé. À quel moment il est intéressant de savoir est-ce que tel ordre est obligatoire ou tel ordre est recommandé? C'est lorsque la personne commet une erreur ou transgresse un ordre. Alors là, il est intéressant de savoir si cet ordre est obligatoire ou cet ordre est recommandé, parce que dans le cas où cet ordre est obligatoire, pour s'excuser, la personne doit faire tauba. La tauba est obligatoire. Alors que pour une chose recommandée, il n'y a pas de tauba à faire. La personne est seulement privée de la récompense d'avoir fait un acte recommandable. الفائدة التاسعة أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه فإنه شريعة سواء كان ذلك في القرآن أم لم يكن قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Neuvième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit, fait partie de la religion d'Allah. Que cela soit cité et mentionné dans le Coran, ou que cela ne soit pas cité et mentionné dans le Coran. Parce qu'Allah azza wa jalla dans le Coran nous dit, ce que le prophète vous a donné, prenez-le, et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a interdit, abstenez-vous-en. Donc on voit l'importance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de délaisser les interdictions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionnées et expliquées. Al-fa'idatu al-ashira. أن الأشياء إما مأمور بها أو منهي عنها أو مسكوت عنها فما سكت عنه الله ورسوله فإنه عفو لا يلزمنا فعله ولا تركه وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عنه فاجتنبوه. Dixième leçon à retenir, c'est que les choses sont soit des ordres qu'on nous a demandé de faire, c'est soit des interdictions, alors on doit s'abstenir de les faire, ou soit c'est des choses laissées au silence. Et les choses sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète se sont tus, on doit passer outre. On ne doit pas s'y attarder. On ne doit ni s'obliger de le faire, ni s'interdire de le faire. Et ceci est contenu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ce que je vous ai interdit, abstenez-vous de le faire. Et ce que je vous ai ordonné, faites-le selon vos capacités. Et en dehors de cela, arrêtez de me poser des questions. Car ce qui a causé la perte des peuples avant vous, ce sont les questions excessives et leurs divergences et leur opposition avec leur prophète. الفائدة الحادية عشر أن الإسلام مبني على التيسير ورفع الحرج حيث لم يجب على المرء إلا ما يستطيعه وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منهم ما استطعتم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ. La onzième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que l'islam est basé sur la facilité. La facilité qui est voulue par Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Et il est aussi, l'islam est basé sur le fait d'enlever toute gêne ou toute difficulté. Car a été rendu obligatoire à l'homme que ce qu'il est en capacité de faire. Et ceci est contenu dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le selon vos capacités. » Toujours pour donner des exemples, la personne qui ne peut pas faire l'eau d'eau parce qu'elle est malade, et si elle fait l'eau d'eau, sa maladie va s'aggraver, cette personne peut, même doit faire at-tayammum. Par exemple, la personne qui est en voyage, elle peut raccourcir les prières et elle peut diminuer les prières. Tout ça, c'est des facilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données pour enlever la gêne et la difficulté. الفائدة الثانية عشر
قوله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم المنهي عنه في الحديث كثرة المسائل لأن كثرة المسائل لا سيما في زمن الوحي ربما يوجب تحريم شيء لم يحرم أو إيجاب شيء لم يجب والمنهي عنه بعد زمانه صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وبعد انقطاع الوحي ما كان فيه تكلف وتنطع واشتغال به عما هو أهم منه. Deuxième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ce qui a entraîné la perte des communautés qui vous ont précédé, c'est les questions excessives et leur opposition et leur divergence avec leur prophète. » Ici, ce qui est interdit dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de poser beaucoup de questions et surtout pendant la période de la révélation, durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car poser beaucoup de questions peut causer l'interdiction d'une chose qui était à la base permise ou bien peut entraîner l'obligation d'une chose qui à la base n'était pas obligatoire pour les musulmans. Et pour ce qui est de l'interdiction de poser des questions après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et après la révélation du Coran, c'est poser des questions là où il y a du rigorisme inutile, où il y a de l'excès et de l'abus. Comme par exemple ce qui est arrivé aux fils d'Israël lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de sacrifier une vache dans Surat al-Baqarah. Ils ont posé des questions. Comment est cette vache? La couleur de cette vache? Ils se sont imposés à eux-mêmes des contraintes, des difficultés. Et ils ont fait preuve d'un rigorisme inutile. Ou c'est par exemple lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Qalat namlatun » Une fourmi a dit dans l'histoire de Suleyman. Et nous, on viendra à notre époque, on dirait, et cette fourmi, elle était noire ou elle était bleue? Quelle était la taille de cette fourmi? Il n'y a pas d'intérêt à poser ce genre de questions. Et c'est comme lorsque le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète m'a dit, Allah a rendu obligatoire le hajj, accomplissez-le. Alors l'homme a dit, est-ce tous les ans, ya Rasulallah? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est tué l'homme, a répété trois fois la même question. Et ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit cette parole, le hadith qu'on étudie aujourd'hui. De la même manière, poser des questions sur les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman doit y croire à la manière dont a cru le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont ont cru les sahaba radhiyallahu anhum et dont ont cru les salaf salih. Al-fa'idatu thalithata ashar anna hadha al-hadith la yanbaghi an yastadilla bihi man yaf'alu al-haram wa yatruku al-wajib wa la yas'al. يقول دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم يستدل بهذا الحديث بل ما يحتاج الناس إليه من المسائل الفقهية فلا حرج من السؤال عنها مع الحاجة إلى ذلك. Troisième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que ce hadith ne doit pas servir comme prétexte, comme preuve à une personne qui accomplirait l'illicite et qui délaisserait des obligations et qu'il ne poserait pas de questions en disant ben le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne posez pas trop de questions car les questions excessives et les oppositions des peuples avant vous avec leur prophète a causé leur perte. Au contraire, la personne doit poser des questions sur les choses de la religion dont il a besoin. Et les choses dont il n'a pas besoin, il ne pose pas de questions, sauf si c'est un talib ilm, quelqu'un qui emprunte le chemin de la science. الفائدة الرابعة عشر ينبغي أن يقتصر الإنسان في السؤال على ما يحتاج إليه كما ينبغي له ترك التنطع والتكلف في المسائل. Quatorzième leçon à retenir concernant ce hadith. Chacun d'entre nous doit se limiter à poser des questions dont il a besoin dans sa vie de tous les jours, dans sa pratique religieuse ou dans sa vie mondaine. Et aussi la personne doit délaisser le fait de poser des questions et faire preuve d'un rigorisme inutile, d'un abus et d'un excès. Al-fa'idatul khamisata ashar
أن كثرة المسائل والاختلاف على الأنبياء من باب الهلاك والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. 15e leçon à retenir, c'est que poser trop de questions, émettre beaucoup d'hypothèses, diverger avec les prophètes, s'opposer à leurs enseignements, tout ceci est à l'origine de la perte et de la perdition des hommes et des peuples. Et les communautés qui nous ont précédés ont péri à cause de cela. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce qui entraîna la perte de ceux qui vous ont précédés, ce fut bien les questions excessives et leur divergence et leur opposition avec leur prophète. Al-fa'idatu al-sadisata ashar. التحذير من مخالفة الأنبياء ومعارضتهم فإن ذلك أهلك الأمم من قبلنا. 16e leçon à retenir, c'est de faire attention à ne pas diverger avec les prophètes, à ne pas s'opposer à leurs enseignements, à leurs voies, car ceci a entraîné la perte des peuples avant nous, comme le prophète sallam nous dit dans le hadith. الفائدة السابعة عشر التحذير من الوقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب مما كان سببا في هلاكهم. 17e leçon à retenir. Cette communauté doit faire attention de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'ont commis les gens du livre, erreurs qui les ont amenés à leur perte et à leur perdition. الفائدة الثامنة عشر أن هذا الحديث رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا استطاعة له لأنه مجبر على عمله، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فقوله صلى الله عليه وسلم ما استطعتم يدل على أن الإنسان له استطاعة وقدرة، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. 18e leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que ce hadith est une réfutation, est une réplique à ce que les savants appellent al-jabriya. Ces gens-là exagèrent dans la croyance du destin, au point de croire que l'homme n'est pas libre et n'a aucun choix dans ses actes volontaires. Il les fait sans aucun choix. Même il n'a aucun pouvoir de quelque nature que ce soit. Et cet enseignement, on l'attire dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Ce que je vous ai ordonné de faire, faites-le selon votre capacité. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle bien de la capacité des gens à faire des choses. Et ceci montre que l'homme a une capacité, il a un pouvoir de faire, de choisir, de ne pas faire ou de ne pas choisir une chose. Et ceci et la voix des gens de la sunna et de la jama'a qui sont en divergence avec al-jabriya. Al-fa'idatu at-tasi'ata 'ashar anna fi al-hadith isharatan ila al-ishtighal bil ahamm al-muhtaj ilayhi 'ajilan 'amma la yahtaj ilayhi fi al-hal. 19e leçon à retenir, c'est que ce hadith montre qu'il faut se préoccuper d'abord et avant tout de ce qu'on a le plus besoin et de ce qui est prioritaire à l'instant T. Al-fa'idatu al-akhira anna kathiran min al-qawa'id al-fiqhiyyati muta'alliqatun bihadha al-hadith. La 20e et dernière leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que beaucoup de règles du fiqh, ce qu'on appelle al-qawa'id al-fiqhiyya, les règles du fiqh tournent et dépendent de ce hadith. Et c'est des règles qu'on a déjà entendues. Et je vais en citer 5, Inch'Allah. La première règle qui tourne autour de ce hadith, ou qui dépend de ce hadith, الضروراتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتُ وَهَذَا وَفْقًا لِشَرْطَيْنِ لَا بُدَّ مِنْهُمَا. الشرط الأول ألا تندفع ضرورته بسواه. الشرط الثاني أن تندفع ضرورته بفعله. Première règle
que certainement vous avez déjà entendu, c'est que le cas de nécessité, ce qu'on appelle la daroura, rend licite des choses qui sont interdites. Mais ceci doit vérifier deux conditions. Et beaucoup de gens ne connaissent pas ces deux conditions. La première de ces conditions, c'est que cette nécessité ne disparaisse pas avec une autre chose. Et deuxième condition, c'est que cette nécessité disparaisse en faisant cet interdit. On va donner des exemples, parce qu'en donnant des exemples, on comprend mieux. Prenons l'exemple d'une personne qui est dans une faim mortelle. Il faut qu'il mange, sinon il va mourir. Est-ce que cette personne peut manger un animal mort, ou bien du porc, ou tout animal qui n'est pas tué selon le rite musulman? Là, c'est bien une daroura, c'est bien un cas de nécessité, et à ce moment, cet interdit de manger ces choses tombe, et il est permis à la personne de faire ça. Prenons un autre exemple, ou un contre-exemple. Ad-dawa'u bil muharram, le fait de se soigner avec des choses qui sont interdites. On va voir pourquoi se soigner avec des choses interdites n'est pas un cas de daroura, n'est pas un cas de nécessité qui fait tomber une interdiction. Pourquoi? Parce que ces deux conditions qu'on a citées ne sont pas réunies. La première, c'est que le malade peut ne pas guérir avec ce médicament. On n'est pas sûr que ce médicament-là va guérir cette personne. Donc, une des deux conditions déjà n'est pas vérifiée. Deuxième condition, il est possible qu'un autre médicament puisse soigner et guérir ce mal. C'est pour ça que les médicaments avec des choses interdites ne sont pas considérés comme une daroura, comme un cas de nécessité. Et donc, cette interdiction ne tombe pas. القاعدة الثانية الضرورة تقدر بقدرها. Deuxième règle, et généralement cette règle elle est rattachée avec celle qu'on a vue précédemment, c'est que la nécessité الضرورة doit être appréciée à sa juste valeur. القاعدة الثالثة لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. Troisième règle qui est en rapport avec ce hadith, et vous allez faire la relation, c'est qu'il n'y a pas d'obligation en cas d'incapacité. Et de même, il n'y a pas d'interdiction en cas de nécessité. En vérifiant toujours les conditions qu'on a vues dans la première règle. القاعدة الرابعة الدين مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد. C'est une règle très importante. C'est que la religion est basée sur l'acquisition des intérêts et sur le refoulement et le fait de repousser des choses qui sont nuisibles. Dernière règle, القاعدة الخامسة المتعلقة بهذا الحديث المشقة تجلب التيسير. La dernière règle, c'est que la peine, la difficulté entraîne la facilité. Donc, c'est par exemple le jeûneur, il peut rompre le jeûne en cas de maladie ou si le voyage il est pénible. Parce que la peine en islam entraîne la facilité. Aussi, celui qui ne peut pas faire l'odo pour des raisons valables, doit faire tayammum. Et aussi le voyageur, il peut diminuer ses prières comme il peut les rassembler. Parce que c'est une facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée et qui fait disparaître une peine et une difficulté pour les gens. فَهَذَا مَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم والحديث رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم. Donc selon Abu Huraira رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, ce que je vous ai interdit, évitez-le, et ce que je vous ai ordonné de faire, accomplissez-le, selon votre capacité. Car ce qui entraîna la perte de ceux qui vous ont précédé, ce fut bien leur question excessive et leur divergence, leur opposition envers leur prophète. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.